Je m'appelle Bandiou Traoré. Je suis le carrelage. Quand je suis là avant, bon, je me débrouille un peu dans le carrelage. Tu travailles avec quelqu'un, il ne te paye pas ce qu'il faut. Et le transport, les dépenses de la maison, tout ça là, si ça sort dans ton travail, tu n'as rien à voir. On veut tenter au devant pour aller à la Libye. J'ai rentré là-bas en 2007. Arrivé à la Libye, on m'a formé aussi. Être fort, plus qu'avant. J'ai travaillé avec les Égyptiens, les Tunisiens, les Syriens, les Italiens. On peut gagner plus qu'ici. Quand la guerre commence, c'est ça qui gâte maintenant la Libye. Finalement, la Guinée même, c'est plus bon que là-bas. Dieu merci, quand OMOM m'a aidé de retourner dans mon pays, on va t'aider pour donner le papier et le matériel de travail. Après ça, toi aussi, il faut voir les gens qui ont comme toi en Guinée, ils veulent tenter ou bien ils n'ont pas d'emploi. Il faut l'aider tout le monde. Si on ne donne pas le travail en Guinée, beaucoup de Guinéens qui sortent au hasard. Aujourd'hui, maximum, j'ai 8 personnes. Avant de finir un contrat, un autre aussi peut te proposer le contrat. C'est comme ça. Je suis venu ici, je vois l'étage là. Je m'approche avec le patron, j'ai demandé. Il dit ok, on m'a testé. Ils ont vu que vraiment le travail là c'est bon. On m'a donné le travail. Donc je demande tout le monde, cherche le travail de la Guinée. Quand tu t'assois bras croisés, tu ne peux pas le trouver. Il faut bouger, il faut bouger.